Jeanne, alors asseyez-vous, je vous en prie. Merci, merci. Bah alors, on a parlé de toi, Jeanne, il y a 2 minutes. C'est vrai. Et en bien. Oh oh. Voilà. C'est vrai. Toi, Jeanne. Qu'est-ce que tu veux boire? Je veux bien de l'eau. De l'eau. De l'eau ici. Pourquoi? Je crois pas qu'on en ait. Si on en a. Tu bois pas d'alcool, Jeanne? Très peu. En fait, un petit peu de vin, mais il faut qu'il soit bio et en dessous de 12,5 d'alcool, donc ça se complique. C'est très compliqué. C'est mon ami, Jeanne Mas. Oui, c'est pointu. Son alimentation est très compliquée. Ah oui, oui, oui. Végétarienne, végane. Ouais, voilà, végane. Alors tout est fourrure, c'est pas de la fourrure, bien sûr. Non, c'est pas de la fourrure, bien sûr. Pas de lait, pas de fromage, pas d'œuf. Non, rien d'animal, rien qui provienne de l'animal. Je suis très bien avec mes légumes, hein. J'adore mes carottes et je les remercie tous les jours. Non, mais c'est vrai. Peur, à part ça, tu vas bien? Non, ça va, moi j'ai monté un bistrot, moi. Oh, c'est cool, j'adore. Je t'ai viré de partout. Et toi, t'es toujours au Canada? Non. Le Canada, il fait trop froid. Je suis à l'opposé du Canada. Ça, c'est de la On m'a dit que t'avais été aux États-Unis, quoi. T'es toujours au Japon? T'as pas été au Canada à l'époque? Je suis en Espagne. Oh. Ah oui, bah, c'est T'étais aux États-Unis? Je suis toujours aux États-Unis. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Je vis, j'adore. Ah oh non. Ah oh, puis alors en plus le Canada, tu m'aurais dit, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais au Canada? Le Canada, je fais strictement rien au Canada, t'as compris? Je fais plein de choses à New York, je fais plein de choses en Arizona, mais je ne fais absolument rien au Canada, même que je n'aime pas le Canada parce qu'il tue les phoques. C'est la question. Pourquoi le Canada? Il tue les phoques au Canada. Mais oui, je ne vais pas au Canada, je boycotte le Canada. Et toi, t'es militante. Moi, je suis hyper militante, c'est horrible. Mais je suis une vraie chiante dans la vie. Voilà, je milite, je suis végétalienne. Je fais pas les choses que... Bah, de toute façon, bah, et puis... voilà. Attends, ça veut dire quoi? Je fais pas les choses bleues. Donc tu parlais tout à l'heure, j'avale pas les spermatozoïdes, ok? Et je laisse les mecs le faire parce que finalement, les mecs le font mieux que les nanas. Donc c'est un truc de mec. Mais bien sûr, mais arrêtez de vous voiler la face. Vous avez peur ou quoi, là? Faut dire la vérité. Quelle vérité? Bah, les hommes sucent mieux que les femmes. Au Canada, ça j'en sais rien, parce qu'au Canada, je n'y mets plus les pieds. J'y suis allée une fois. Ah oui, et tu sais ce qu'ils font aussi au Canada, et ça c'est honteux, c'est qu'il y a toute la partie, tu sais, Native American, et ils les rejettent. Et ces pauvres gens vivent dans des contrées complètement isolées. Ils sont toujours, ils n'ont plus que l'alcool, mais l'alcool fort, hein, c'est pas l'alcool comme ça, super. Et en fait, voilà, il y a plein de choses qui m'ont gênée en allant là-bas. Plus, bah voilà, tout, du coup, j'y vais plus. Donc, je ne vis pas au Canada. Donc, oublie, fais une, voilà. Tu vois, lobotomie, un truc chez un chat. C'était quoi cette histoire de cabane, tu chantais à l'époque? La cabane au Canada. Et pourquoi t'es partie, Jeanne? J'avais envie de changer de vie. J'avais envie de changer de vie. Je piétinais ici, j'en avais marre de piétiner, je supporte pas de piétiner, j'aime courir. J'aime sauter, courir, tout ce que tu veux. Tu vois, mais piétiner, c'est angoissant. Donc je suis partie. Et depuis, j'angoisse plus. Depuis, je mets des couleurs. Ouais. Ouais. Non, mais je suis sûre, c'est vachement... Très joli, ça. Merci. Et quand tu reviens, alors, tu fais quoi? Bah, je fais plaisir aux potes. Donc, ouais. Déjà, je viens aux émissions. Potes, et puis, non, je travaille. Je ne viens ici que lorsque j'ai du travail. Si j'en ai pas, j'ai du travail là-bas. T'enregistrais des nouveaux albums aussi? Là, dernièrement, il y a un album qui est sorti il y a 6 ou 7 mois, H2O. Et puis, j'ai fait, donc, j'ai fêté les 30 ans de carrière. Donc, j'ai fait cette jolie parenthèse dernièrement au Folies Bergères. Exact. Et puis là, voilà, bah, là, je prépare la rentrée. Et puis, c'est surtout là, je prépare le retour à la maison. Au Canada, tu sais, tout proche du Canada. Ouais. C'est New York, en fait. J'habite New York, donc c'est pas trop loin. C'est à 2 heures. Mais tu fais quoi de tes journées à New York? Par exemple, tu te lèves, admettons, il est 10 heures. Non, je me lève avant. Hein. Ouais. 10 heures après, ça me... Déjà, je vais au sport. Tu fais quoi? Tu déjeunes avant, donc tu déjeunes avant. Ouais, je prends un verre d'eau. Ah bon? C'est pas trop copieux? Non. Non, mais... Non, mais tu prends pas moi. Te déshabituer, prendre juste un demi-verre d'eau, diminuer les doses. Mais l'eau, c'est important, c'est vrai. Ouais. C'est bien. Et ensuite, bah, je vais au sport et ensuite, je travaille. T'es un mec? Oh, oh. Ça dépend, c'est quoi avoir un mec? Bah, avoir un mec, quoi. Parce que j'ai un copain qui demande, qui est un peu amoureux de toi, qui n'osera pas t'en parler, hein, pas qu'à se lève. Et ouais, il y a Jeanne Mas, je suis fou d'elle et tout. Tu veux savoir si j'ai un boyfriend? Yeah. Bah, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Repérage, non?
Non, je repère rien du tout. Parce qu'il est là-bas et toi, t'es ici? Non, absolument pas. C'est que pour l'instant, j'ai trop de projets. Je trouve que les hommes, par moments, sont difficiles à gérer. Pourquoi? Compliqué, hein. Les hommes, c'est compliqué. Hein. C'est chiant aussi, t'as vu? Et si t'as un pied à New York, c'est pas ça, c'est et un pied à Paris, est-ce que ça sent pas un peu la chatte aux Açores? Attends, qu'est-ce qu'il a dit, là? J'ai pas compris. Non, mais can you translate? Tu peux le dire en canadien, je vais sûrement comprendre. Alors, tabernacle! Pourquoi les hommes sont compliqués à gérer? Les hommes sont compliqués à gérer parce que je les trouve lassants. Au bout d'un moment, ils me lassent. Je me lasse. Je m'emmerde avec un mec, au bout d'un moment. Tous? Bah, souvent. J'ai plus rien. C'est hein. Le quotidien, quoi. C'est les heures du temps. Ça, c'est ça, je veux pas de quotidien avec un homme. Donc j'aime bien les hommes au coup par coup et puis à petite dose. Hey. Non, mais j'aime les hommes. On l'appelle l'anticyclone des Açores. Non, non, mais écoute, franchement, non. Mais je vais pas dire ça parce que les hommes sont parfois formidables. Donc, j'aime beaucoup les hommes, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver quelqu'un avec qui j'ai envie de rester. Ça arrive, me regardez pas comme ça, tout va bien, je suis normale, hein. Oui, moi j'adore. Est-ce que toi t'as envie de rester avec les hommes? Est-ce que les hommes ont envie de rester avec toi par contre? Je sais pas. Non, mais jamais. Non, mais là j'imagine, tu tombes sur un. Déjà le mec, s'il est pas végétarien, ça va pas le faire. Tu vas même pas lui faire un bisou. Exact. J'embrasse pas un homme qui a mangé de la viande. Normal, hein. Non, mais t'as les bouts de viande morte là sur les dents et tout, c'est dégueulasse. Ouais, rien que tu vois. Heureusement qu'il n'est pas barbu. Je peux pas. D'ailleurs, tous les mecs qui ont croisé ma vie, tous les hommes, c'est pas des mecs, mais des hommes qui ont croisé ma vie sont devenus végétariens. Ah oui, non, c'est compliqué. Et toi, Raphaël, t'es végétarien, mais ouais. Si tu tombes sur une nana qui est carnassière, tu t'en fous, toi, tu le bouffes plus quand même. Je suis même pas sûr, non, je peux partir dans ces cas-là. Ça m'est arrivé. Tu peux partir très vite, c'est le problème. Alors, non, je m'en vais, je la fréquente à peine, je dis bon, bah, revoir. Une nana qui est sublime et qui me dit tiens, allons voir une corrida, je m'en vais. Elle peut être sublime, je vais. Une corrida, bien sûr, c'est rédhibitoire, une corrida, évidemment. Ah bah oui, non, Laurent, il a fait un bouquin, là, c'est le dernier livre. C'était du grain double. Voilà. Je te dis des plats, tu me dis je mange, je mange pas. Oh, tu peux refermer le bouquin, je crois. Non, regarde. C'est des cèpes. Des cèpes poilées, tu manges, tu manges pas. Ah, c'est totalement vegan. Des champignons, non, pas trop. T'en as il va pas vouloir parce qu'il y a de l'œuf pour la première. Non, j'ai pas de champignons, idiot. C'est quoi? C'est des carottes à la marocaine. Salade de carottes à la marocaine. Alors, ça dépend. Est-ce qu'il y a des épices? C'est fait avec quoi? Alors là, je vois qu'il y a du persil. Oui. Le persil, c'est très bon pour la digestion. Oui, parce que je... Donc ça, tu manges? Oui, ça, d'accord. Oui, sur les carottes, en plus, c'est... Jus d'orange, persil, coriandre. Chou rouge. Chou, c'est bien chou. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, tu manges tout. Betterave. Et grenade. Betterave, pas trop, parce que c'est plein de sucre. Je crois qu'on est tombé sur une casse-couille. Hein. Filet de maquereau. Filet de maquereau à la moutarde, bah non. Aucun poisson. Bah non, quand même, le poisson souffre autant que... Un mariotte. Un mariotte des bois, tu manges. C'est pour toi, ça. Non. Tu le trouves joli garçon? Oui, il est beau, il est bel homme, ouais. Et Fred qui est boucher, alors? Oui, bah lui, qu'est-ce que... Non, mais t'es un vrai boucher? Bien sûr. Oh là et là, ça vous désempare. Tu pourrais pas faire l'amour avec Fred. C'est qui, Fred? C'est le boucher. Bah non. Ah non, on sent qu'il y a une réponse. Même s'il baisse comme un porc, non. Non, mais j'aime pas les hommes qui baissent comme des porcs. Hein. Sérieux? Sérieux. Un verre d'eau et au lait, toi. Pourquoi pas? Un bon bouquin? Un homme, ça peut être vulgaire, voilà. Ça peut faire l'amour vulgairement, et puis ça peut faire l'amour tout court, et on s'éclate aussi comme ça. T'as pas besoin tout le temps de mettre de la vulgarité dans le sexe pour être performant ou pour sentir que t'es un vrai mec. Je me trompe, messieurs? Ah oui, je suis d'accord. Hein. On est d'accord. Merci. Hein. Non, mais toi, j'ai compris que t'étais un mec bien. Déjà, t'es végétarien. Ah, le critère. Non, mais la raison, Jeanne. Moi, j'approuve. Hein, excuse-moi, parce que voilà, on peut se comprendre sur certaines choses. Toi et moi, on se comprendra jamais. Non, là, c'est sûr. Ouais. Mais c'est pas grave. J'essaie de m'en remettre. Ça va, Jeanne, on va au petit coin? Tu veux pas un petit coin-coin, là, des petits trucs? Ah, je veux bien. T'as quoi, là? C'est payant, hein. Ah, c'est payant? D'accord, rien. Bon, ben c'est pas ta toute première fois de la journée, là? T'es déjà allée aux toilettes aujourd'hui? Oui. Oui. Ah, vas-y, roule. C'est propre? Oui, on va. Qu'est-ce qu'on va voir? Je bosse un peu, pardon. Ouais. J'espère que la peau me chie en rouge et noir. Ça s'est bien passé? Ouais. T'as un petit problème? Ça va? Un petit peu de coco pour. Tu pourras mettre du papier la prochaine fois? Oui, oh, Ellie, oh, oh. Ça va? Bon, là, quand même, ça craint, hein? Oui. J'ai ça craint. Oui. Toi qui crains.
Je vais aller checker quand même, c'est la poillèche. Très content de te voir. Ben merci. Ben merci de m'avoir invité, c'est sympa. Puis l'eau est... Je savais qu'elle était folle, mais pas à ce point. Non. Génial. Elle est géniale. Ah, j'adore, je suis fan. Et tu t'engages pour la cause animale, tout ça? Tu milites ou pas du tout? PETA, tout ça? Ouais. Ouais. Ben, si tu vas sur mon site, tu verras toutes les... En première page, je les ai mis. Je défends, je me bats pour la protection des loups qui sont essentiels sur notre planète. Mais je vais plomber l'émission là si je commence. Ah, d'accord. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas végétarien, mais je milite pour que les animaux soient mieux traités. Voilà. Parce qu'il faut respecter la viande qu'ils nous donnent. Et si on avait plus de respect pour les animaux, eh bien, déjà, on s'alimenterait mieux. Et puis, c'est surtout, on pourrait tous. Voilà, bénéficier de cette viande qui peut apporter du plaisir ou des protéines ou tout ce que vous voulez. Mais ce qui est scandaleux, c'est la façon dont on traite les animaux. Et c'est pour ça que d'emblée, moi, j'ai pris il y a très très longtemps le parti de ne pas contribuer à ce massacre. Alors la première mesure que tu prendrais si tu étais aux affaires, ce serait quoi pour la cause animale? La première, c'est interdire les abattoirs qui manquent de respect à toutes les vaches. D'accord? D'accord. Putain. Je regrette d'être rentré dans la police. Attends, ça fait qu'un mois que t'es là. Tu verras quand t'auras 15 ans de boîte comme moi. Oh, mais j'aurai jamais 15 ans de boîte. J'arrête demain. On est plein le cul de cet uniforme de merde. Et tu vas faire quoi? Vendre du shit. Vendre du shit? Bah oui, vendre du shit, ça au moins ça rapporte. Attends, tu te lèves à midi, tu roules en Porsche, tu niques des gonzesses. Nous, on gagne 2000 balles par mois, on roule en Clio et on baisse personne. Alors j'arrête demain. Ouais, t'as raison. Moi aussi. Tiens, Lolo! Remets-nous deux prunes, s'il te plaît. Ah, pour une fois que je peux mettre des prunes à des flics, avec plaisir, les mecs. Les vaches que vous bouffez, les bœufs que vous bouffez, sont des bœufs qui sont intoxiqués, qui sont grossis aux hormones, certes. Votre viande, elle est bourrée. Tu peux dire en vain. Notre ami Boucher. Non, mais j'en ai bouché, Ah bah attendez, voilà un collègue. Un charcutier. Venez, on parle barbac, là. Oh, moi, j'arrive pas à m'en sortir seul. Ah, et toi? Ici, non, c'est vrai que c'est un peu le rendez-vous des charcutiers, des bouchers, c'est un peu un truc de... On parle de la cause animale, tu tombes bien. Mets-toi là. Ouais, donc la première chose serait celle-là. Donc les vaches, qu'on arrête de torturer le bétail qui est destiné à nourrir l'homme et qui offre sa viande à l'homme. Donc première chose déjà, parce que justement, puisqu'on a cette évolution, eh bien on devrait la mettre au profit et arriver à respecter ce qui nous entoure. Première chose, donc ça c'est pour... tous. Également, c'est valable pour les porcs, c'est valable pour tout ce que vous mangez. J'interdirais également qu'on tue les agneaux. Parce moi, je mets la clé sous la porte. Quoi. Mais oui, toi, tu mets la clé sous la porte, mais je vais te dire une chose, mets-toi dans le bio, ok? Lance, aide. Il y a de l'agneau bio. Oui, bien sûr. Et s'il n'y avait plus de moutons, s'il y aurait des religions? Et si l'homme devait tuer lui-même l'animal qui va l'alimenter, eh ben, ils seraient tous végétariens. Hein. On serait tous végétariens. Vous seriez tous végétariens. Non, mais l'agneau n'apporte rien. Tu penses que les légumes ont une âme ou pas? Mais moi, mes légumes, je les maltraite pas. Mais une carotte, ça dépoile. Et puis en plus, je ne mange que des légumes bio, donc ils ont été bien traités. Si, tu les maltraites quand même. Parce non, je ne les maltraite carotte, pas. Une carotte qui tient à sa peau, et bien tu les plus. Tu l'arraches, tu l'arraches, tu l'arraches. Tu veux pas ça? Tu penses au regard de la maman carotte qui voit son bébé carotte partir? C'est ce que je t'ai dit en début d'émission. Je remercie les carottes de me donner leurs vitamines. T'as pas écouté ce que j'ai dit? Non, parce qu'il n'écoute pas. Il est au Canada. Il est au Canada, ouais. Mais oui, je remercie. Toi, tu remercies la viande que tu as tous les jours chez toi? Tu remercies la vache qui t'a donné sa viande? Non, c'est sa femme. Il l'appelle Gisèle et... Tu la remercies, ta femme? Tu la bouffes, ta femme aussi? Non, mais c'est vrai, si les animaux sont tes amis, pourquoi tu manges tes amis? Alors, j'ai une réponse, parce que des fois, j'ai faim. Mais l'homme peut se nourrir avec l'évolution. Non, non, mais je suis d'accord. Moi, je suis convaincu, je suis pour la cause animale, tout ça, mais j'ai des contradictions. Donc, je mange de la viande et je trouve pas ça bien. Ça me culpabilise un peu. Et là, attends, il faut pas tuer les animaux qu'on mange, mais les animaux qu'on mange pas, non, par exemple. Non, il ne faut pas les torturer. Moi, je voulais savoir les moustiques, par exemple. Comment tu te compares vis-à-vis des moustiques? Eh bien, je mets des huiles essentielles chez moi qui repoussent et les moustiques ne viennent pas chez moi. En fait, il y a la citronnelle qui repousse, il y a l'eucalyptus. Le géranium aussi, la lavande. Donc, au lieu de tuer ton moustique, bien que, sachez aussi que les moustiques sont quand même ceux qui apportent le plus de maladies à l'homme aussi. Donc, il faut commencer à s'en protéger. 2 millions de morts par an. Tu te rends compte? Ouais.
On parle des loups. Mais ils sont indispensables dans la chaîne alimentaire. Hein. Sans moustiques, pas de crapauds, pas de grenouilles, pas de bébés, toi. Oui, sans doute, mais l'important, c'est de se protéger de ce qui peut, évidemment, faire du mal à l'homme. Mais s'en protéger, je veux dire, se protéger du moustique, ça n'a rien à voir avec le fait que vous torturez les vaches. Non, mais par exemple, si tu as une conscience animale, comme les hindouistes, certains bouddhistes qui balayent devant eux quand ils marchent, toi, tu écrases des fourmis, des acariens. Absolument pas. Comment ça? Des acariens, attends, je les vois pas, donc ça, c'est, tu m'en voudras pas. Ah, donc, Gilbert Montagnier, peut-être qui veut, ils sont bons. Mais attends, moi. Là, tu déformes tout, là. Mais moi, j'ai eu des nids de fourmis chez moi. Il disait quoi, le dermato? Mais. Chez moi, dans la maison, il y avait des petites... Excuse-moi, tu as raison, j'aurais dû spécifier. Donc, chez moi, dans la chambre de mon fils, un jour, j'ai vu, il m'a dit, bon, il y a des petites fourmis. J'ai dit, oh, trop bad, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit coton avec du poivre menté, c'est de l'huile essentielle, peppermint, tu mets un petit peu, tu le mets là où il y a le nid. Sinon, elles sont bonnes, et tu n'en as pas tué une. Sinon, il y a un truc qui est très efficace aussi, c'est de les gronder. Ah, je... C'est ce que tu fais? Oh, les fourmis, vous abusez un peu, là. Rentrez chez vous! Bah, tu sais, tu leur fais pas deux fois. Hein. Ah, je crois que c'était la vanne. J'entendais la vanne. Il n'y a pas de vanne. Si, si. La fourmi gronde. La fourmi gronde. Ouais. Et quand tu te balades à Paris, t'es pas emmerdé? Non, les gens sont gentils avec moi. Les animaux. Parce que les gens t'adorent. Ouais, c'est gentil. Non, les gens sont Les gens t'adorent. Ouais. Écoute, l'autre, c'était l'autre soir, là. Après la pièce, on était dans un bistrot, il y avait des disques. Tout le monde connaît tout par cœur et les gens dansaient dans un bistrot. Ah ouais, c'était pas une boîte de nuit. Mmh. François, il était debout sur les oreilles. C'est rare, il est vraiment debout sur les. T'es fou d'avoir ce. Non, c'est bien, c'est cette bien. Charge c'est affective. Bien. Ouais, c'est bien. Mmh. Non, c'est bien, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est trop bon. Non, non, même mon écharpe. Mais tu l'as trouvé où, lui? Au Canada. Regarde, Jeanne, on va faire une expérience. Ouais. On va mettre tes disques, on va voir ce que ça va donner dans le bar. D'accord. Et nous, on va juste regarder. Ok, d'accord. Bien, bonsoir à tout le monde. Ouais. Merci d'être venus si nombreux. Je suis très, très, très contente d'être parmi vous, mais surtout, je suis très contente de vous présenter un jeune talent qui démarre, en fait. Elle a démarré il y a 30 ans, mais bon... On fait comme, elle arrive 3 du Canada. Ouais. Son nom est Gégé. Alors, elle a un rein en moins, donc je vous demande d'être super sympa avec elle. Hein? Un petit peu éméché, mais bon. Allez, bon courage. Hein? Tu vas me rejoindre un moment, Jeanne. T'es sûre? Je pense que j'ai préparé une choré du début. Ouais, ouais. Je le garde en main. Musique. Toutes les fois que j'ai eu peur, je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier, et j'aurais soigné ma peau, mais c'est pas les froids d'hiver. Je lis de la couleur sur mes chaussures de l'air, je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer, chassant que je manquais d'air. Mais je ne vais plus jouer ce maquis d'indifférence et vaste micro. Je remis dans le courant. En rouge et noir, je tirerai ma peur, j'irai un peu haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'ficherai mon cœur, en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes lettres, mes
Chan. Non, 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 non. Allez, moi, je l'ai fait pendant 30 ans, maintenant, c'est à toi. Aide-la, aide-la. Tout ça reste différent. J'aurais su me rassurer. Je serai moins seule à présent. J'ai trop couru à l'abri de la forêt. Je me suis souvent perdue dans ces mensonges qui tuaient. Je traînerai mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième. Je veux que ma vie s'achève en rouge et noir. J'écrirai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, ficherai mon cœur en échange d'une crème de douceur. Tu demandais qui était François. François. Je ne demandais pas, mais si tu insistes. Elle ne demande pas, ça ne l'intéresse pas. Parce que je ne l'ai pas reconnu. Mais okay. Non, c'est bon. J'ai dit, est-ce que vous êtes un client? Il me dit non, je suis un acteur. Si, j'ai vu. Mais jamais de la vie. Tu n'es pas un acteur? Vous rêvez, Jeanne. Je ne vous ai jamais dit, je ne suis pas un client, je suis un acteur. Si, même que je vous ai dit. Jamais de la vie. Même il a que super je vous ai mal dit. Vécu. Mais ouais, j'ai dit, c'est bon, je vous ai vexé? Non, pas du tout. Et quand tu sais ce qu'il fait quand il est vexé? Oui, il dit jamais de la vie. Mais voilà. Mais jamais je ne vous ai dit je ne suis pas un client, je suis un acteur. Vous vous trompez, non, non. Vous jamais vous trompez. Bah, non. Tu vois, ça c'est la réaction de quelqu'un qui mange de la viande. Parce que je voulais juste te montrer ça. Il a trop de toxines enlevées. Et tu sais, souvent, il est très ronchon. Oui, mais c'est la viande, ça. Ah, il va que la viande. Qu'est-ce qui te rend ronchon en ce moment? De toute façon, moi, aujourd'hui, je me sens pas trop seul parce que l'atmosphère était maussade, là, aujourd'hui, dans ce bar. On a parlé d'échangisme, de cadavres d'animaux, de morts, de choses épouvantables. Et moi, je suis dans la note parce que je suis très en colère contre moi-même, comme dit le roi Lot dans Kaamelott, parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout à l'envers dans ma vie. Et je t'explique comment. C'est que quand j'étais jeune, j'avais tout le temps peur de mourir, alors qu'il n'y avait pas tellement de raisons d'avoir peur. D'accord ? La preuve, c'est que je suis là. Et maintenant que je suis plus jeune, j'ai plus peur de mourir. Mais c'est bête parce que c'est maintenant qu'il faudrait avoir peur de mourir. Parce que maintenant, j'ai plus de risques de mourir. Tu comprends ? Et d'un autre côté, si je me remets à avoir peur de mourir, ça me fait chier de me dire que j'ai passé toute ma vie à faire la même chose. Et après, tu dis que moi, je suis folle. Comment tu pourras me solutionner ce truc-là ? Mais non, moi, je suis un peu d'accord avec François. Ah oui ? Non, non, mais t'es pas d'accord avec ça, toi ? De quoi ? Sur la peur de la mort et tout, quand on est jeune, puis après, c'est quand on est vieux qu'il faut avoir peur. Mais non, pourquoi ? Parce qu'il y a plus de risques. Mais non, mais c'est justement... C'est les chiffres qui parlent. C'est les chiffres. Les chiffres. Non, mais je trouve ça... je sais pas, quand on est jeune, on n'a pas conscience de la mort. On vit, on prend la vie, on s'éclate. Et maintenant, peut-être que tu t'éclates un petit peu moins et tu te dis finalement, c'est pas plus mal, non ? Non, non, il y a certainement, oui, je me suis éclaté, mais j'ai toujours eu peur quand j'étais jeune, j'avais tout le temps peur même de mourir. Même quand t'étais au Canada. Et Lolo aussi, toi aussi. Ouais, ouais, quand j'étais gamin, ouais. Bien sûr. Et Gégé, elle a fait une grève de... C'était quand ta grève du foie, Gégé? Il y a 2 semaines, non? Ouais, 3 semaines. Et là, il n'y a pas de rejet, tout bien? Ça s'est bien passé, ouais. T'as fait quoi? J'ai donné un rein... T'as donné un rein? Un frère de Richard Berry. C'est qui le frère de Richard Berry? En fait, c'était pour sa sœur. Oui, enfin, il m'a dit que c'est son frère, enfin, c'était sa sœur. Ouais. Pour l'aider, j'aime aider les gens, donner mes organes. Les deux sont vivants. Elle a donné ça. J'ai une carte donneuse, si tu veux, de mon vivant. T'as pour l'huette. Aider l'homme, l'être humain. Ta luette. Ma luette, c'est donnée à Mireille Mathieu. Si elle avait sa luette, était flinguée. J'ai donné. Sur les gros plans, elle avait dû être dégueulasse. Mmh. Ah, Nénou, mais le colombard. Je vais donner.
trucs comme ça, moi. Et de voir Jeanne, là, t'as envie de lui donner non, quoi? Mais moi, je veux rien, absolument, tu vois. Si. Non, 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 moi, je veux surtout pas, je demande jamais rien, d'ailleurs. Quelque chose. Non, non, me donne absolument rien, moi, je suis très bien comme ça. Prends une rate. C'est vrai que t'es très bien comme ça. T'as des organes végétaliens? Le foie. Voilà. Non, mais moi, je suis pas pour le don d'organes. Ah bon? Eh ben non. Bah, si quelqu'un, si ça sauve des vies. Mais justement, faut arrêter de sauver des vies. Si t'imagines que tu... Non mais... Arrêtez de sauver des vies, ça va deux minutes de sauver des vies. Moi je vois mon gars, on m'a dit on peut le sauver, j'ai dit ça va. Mais attends, imagine que tu sauves un criminel, un mec qui frappe sa femme. Moi je veux sauver personne. Parce que t'es contre les mecs qui frappent leur femme. Un petit peu beaucoup. C'est mon idole, c'est Jeanne Mas, j'adore. Moi aussi, je te rassure, moi aussi. Je disais ça pour déconner. Ouais. Et toi, Raph? Moi, ce qui me fait chier, c'est l'emplacement du nombril. Parce que je trouve qu'il est là. Non, non, c'est pas gentil. Non, là, vous êtes pas correct. Vous êtes pas correct. Pardon. Alors, redis. Non, ce qui me fait chier, c'est l'emplacement du nombril. Parce qu'au départ, ça sert. Évidemment, il y a le cordon ombilical, tout ça, etc. Mais après, ça ne sert à rien, le nombril. En plus, il est mal positionné. Ou soit tu le fous carrément au milieu, parce que là, ça n'a aucun intérêt. Surtout si t'as du bide, mais il faut plutôt le foutre là, là, par exemple, ou... Enfin oui, tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais on parce peut le décorer, génial, on peut le décorer l'ombril avec un piercing, un petit tatouage pour faire quelque chose de sexy, on va gélection le... Alors, non mais parce que ça a servi au départ, donc c'est pour les nostalgiques le nombril plutôt, parce qu'après maintenant ça sert plus à rien. C'est comme les dents, quand on est petit on a des dents, quand on est adulte on a plus de dents, mais ça change rien du tout au business. Par exemple, tu par exemple, t'as 10 ans, t'as 10 doigts, par exemple, si on te dit par exemple, à 18 ans, à 18 ans, t'en as 15, par exemple, t'as 5 doigts de plus, ok, et ben ça peut faire exploser les ventes des gants, par exemple, les mecs qui fabriquent des gants pour en vendre plus. Par exemple, t'as 2 oreilles, t'écoutes en stéréo, imagine à 18 ans, t'en as 3, t'écoutes en triphonie. Donc tu remis complètement en question complètement le business de la haute fidélité. En stéréo, elle a chanté Jeanne. Ah oui, elle chantait cœur en stéréo, ouais, c'est j'adore. Ça j'adore. Cœur en stéréo, oh, oh, c'était ça le truc à la fin. Mais je suis pas d'accord avec toi sur le nombril. Là. Ah. Ben oui. Je trouve qu'il est bien placé, je trouve même que c'est très joli un nombril. Hein. Parce qu'on est habitué, t'es pas habitué à autre chose. Si t'es habitué au nombril là, tu dis tiens, je trouve qu'il est bien placé. Mais justement, c'est parce qu'il est là que là je peux mettre autre chose. Mais c'est dans ton concept d'habitude. En tant qu'être humain, t'es dans la convention. Là. D'habitude, t'es un peu décalé. Ouais, mais t'es classique. Là, t'es classique. Ah, Jeanne. Oui, mais dans ces cas-là, les yeux. Ah non, non. T'es conventionnel, toi. T'es... Non, non, c'est que moi j'aime bien les nombrils. C'est beau, moi, je trouve. Mais oui, si, moi, j'adore. C'est ça, un maillot de bain. Je trouve que justement, c'est le centre du monde, c'est ouais. Le centre de notre et corps. Ça suit une ligne comme tu vois, et puis. Et puis tu sais qu'après, il y a le sgeg. C'est au centre de tout. C'est au centre de tout. C'est le centre de ton corps, le nombril. Ah, d'accord, ok. Un garde-manger. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un œil là? Oh non, Pascal. Il y a des chips. Il y a des trucs à l'intérieur parfois. C'est vrai, ton genre. Regarde. Il faut nettoyer, tu sais. Tu lèches les nombrils, toi? T'aimes bien lécher les nombrils? Je répondrai pas. Tu veux. Non, mais par exemple, t'as un partenaire. Tu veux répondre à ma place? T'as presque rien dit. Non, parce que c'est pas un orifice dégoûtant. Il n'en sort rien. Non, justement, je trouve ça très sensuel. Ben voilà. Voilà. Non, je trouve ça très joli, moi. Moi, je pourrais te lécher le nombril. Oh, c'est gentil, mais là, ça va. Non, mais moi, je pourrais le faire comme on te l'a jamais fait. Oh, oh. Je pourrais te lécher de l'intérieur. Oh non! Eh ben écoute, hein, je veux réfléchir à ça. Cette proposition. Fred, tu l'encourages. Hein. Après, on est reparti au Canada, puis voilà. Et vous voulez pas qu'on mette les 10 de Jeanne? Ah, vous ah oui, on attend ça depuis un moment. Allez, venez. Allez, venez, Milo. Non, 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 c'est pas la Jeanne, c'est pas Milo. Non, elle, c'est rouge et noir. Et venez, Milo. Non, non, non. Envoyez la musique. Chante, Gégé, chante.
Jeanne, après cet hommage, tu peux mourir tranquille.